Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien travaillé ce matin avec Miss Reading et que vous êtes prêts à attaquer cet après-midi. Alors, je vous présente le programme. Vous allez commencer donc par le sport. Je vous invite à vous éloigner de vos écrans et puis à faire de l'exercice, soit à la maison, soit à l'extérieur, c'est comme vous le voulez. Donc, vous pouvez faire soit les exercices que Monsieur Nioche vous a donnés ou faire une toute autre activité, mais le but, c'est que vous bougiez un petit peu. Donc, vraiment, ne pas être assis devant votre écran durant ce moment-là. Après votre séance de sport, donc vous reviendrez en classe virtuelle. Et puis là, écoutez bien, à 14h20, pardon, j'aimerais que Elsa, Daniel, Armand, Hugo, Morgan, Ellie, Elia et Sébastien, vous veniez en meeting parce que j'aimerais travailler avec vous l'attribut du sujet. Ça veut dire que pour les autres, je ne serai pas disponible pour répondre à vos questions jusqu'à 3h de l'après-midi. Ce que vous allez faire, les zones, c'est avancer dans le travail qui a été donné lundi, mardi et mercredi, parce qu'il y a encore des enfants qui n'ont pas tout terminé. Vous verrez aussi que dans Classroom, je vous ai remis un PDF avec le suivi de votre travail. Donc, vous pouvez voir ce que vous m'avez rendu, s'il manque des choses ou ce que vous ne m'avez pas encore rendu. Il y a aussi deux activités facultatives. Donc, si vous avez tout fini, vous allez pouvoir faire ces deux activités qui seront sur Classroom aussi. À 15h, j'aimerais que vous arrêtiez de faire ce que vous êtes en train de faire et que vous fassiez la fiche de calcul mental. Ce qui est important avec cette fiche, c'est que vous me montriez vos stratégies pour trouver le résultat de vos calculs. Donc, c'est pas du calcul posé en colonne, c'est vraiment du calcul mental. Comment on le fait en classe? Vous rappelez, on note quand je vous interroge, on note toujours la stratégie. Comment est-ce qu'on a fait pour trouver la réponse? Donc, c'est ce que vous devez faire. Si je ne vois pas vos stratégies, vous allez devoir refaire la fiche. Donc, autant le faire directement. J'aimerais juste revenir sur l'activité 2, sciences, français, maths. Ici, il est important, faut vraiment que tout le monde finisse l'activité volcan 2 qui a été commencée hier, parce que en fait, si vous ne la finissez pas, pardon, on ne peut pas faire la suite parce que j'ai vraiment vraiment besoin de vos dessins pour la suite de la séance. À partir de 15h, si vous avez des questions, vous pouvez donc me joindre au meeting qui est ici. Donc, on a le lien là. Alors, c'est tout pour cet après-midi. Essayez donc de faire de votre mieux pour finir le plus possible du travail. Et puis, donc, comme je l'ai dit, à 3h, vous arrêtez de faire ce que vous étiez en train de faire. Et puis, j'aimerais que vous fassiez la fiche de calcul mental en écrivant vos stratégies. Merci.